Et salut à tous, c'est Nat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Crossmaster Arena. Alors, vous avez été plusieurs, je vais pas dire plusieurs, il y a une personne qui me l'a demandé, qui a été appuyée par deux ou trois personnes en commentaire sur une vidéo, à me dire, t'as une énorme collection. Et c'est vrai, hein, si je vais là-dessus, voilà, la collection elle est complète, vous voyez, il ne manque rien. Au pire, il va me manquer quelques rectus pour avoir le full playset avec les rectus en x3. Mais globalement, j'ai toutes les figurines, au moins en une fois. Et on m'a dit, mais pourquoi t'as toutes les figurines et que tu fais que du Crawlysium, que tu fais du classé? Alors c'est vrai que le Crawlysium, c'est bien quand vous débutez pour vous faire jouer des figurines. Moi j'aime bien ce côté, on te donne pas beaucoup de figurines et tu dois faire une équipe avec. Maintenant, c'est vrai que je pourrais faire du classé. Pour être très honnête avec vous, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. Et je ne joue qu'une équipe en classé, qui est celle-ci. La Drag Queen. Je peux peut-être aller vous la montrer là, d'ailleurs, ça sera plus simple. Qui est une équipe que j'ai fait perfectionner avec l'aide de l'ami Zatno et de l'ami Talden. Qui est donc composée d'une Pushan, d'une Dragueuse, de Wallifire, de Edmond Dantier, d'un deuxième Edmond Dantier, de Gemagourne et de Kivin. Le principe... Il est très simple, la dragueuse, c'était la base, hein. Elle est là, vous voyez, j'ai ma dragueuse ici, socle doré et tout. J'expliquerai un peu le délire sur la dragueuse après. C'était la base, je voulais faire une équipe avec une dragueuse, parce que la figurine est fun, enfin, voilà, c'est un dragon avec du rouge à lèvres, un bonnet rose, et bien dégueu comme il faut, hein. Voilà. Plus l'illustration, je vous raconte pas là, je l'ai en doré, ça veut dire que l'illustration est en foil, c'est quelque chose. Mais surtout, bon, elle pond des œufs, elle peut les balancer, etc. Mais elle attire à 6 cases en ligne droite. Et c'est beaucoup, et en général, c'est surprenant parce que les gens s'y attendent pas. L'idée, c'est en plus de ça d'avoir une Pushan pour un peu placer les gens. Gemma qui est là, pour pouvoir mettre deux tatanes à deux sur la figurine qui a été attirée, sachant que la dragueuse aura déjà pu lui mettre deux tatanes à un pour l'attirer. On a les Edmond qui sont là pour enlever de la portée et pour faire du dégât un peu à distance. Le Kivin qui est là pour finir, bref. Et le Wally qui est là aussi pour filer armure aux copains en restant au cac. Ce qui permet de faire des groupes sans trop craindre les zones croix et compagnie. Même si c'est toujours un peu le cas. Et une petite attaque, c'est toujours sympa. 23 d'init, ce qui est sympa sans plus, on va dire. Je sais pas trop honnêtement. C'est pas le truc que je regarde en priorité, d'init. Je limite préfère ne pas commencer avec cette team là. Oui, de toute façon, il n'y a pas eu de changement. Donc. Et eh bien écoutez, vous m'avez demandé, on va essayer de classer. Hein, on va voir, vous voyez, je suis. Sur cette saison-là, je suis rang 20, pas de victoire, etc. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc si je fais n'importe quoi, soyez indulgents. Je risque de toute façon de m'engueuler moi-même. En général, je fais des erreurs et je me dis, mince, j'aurais pas dû me placer là. Je le comprends dans l'instant après, mais bon, j'anticipe pas assez. De toute façon, vous avez pu le voir certainement entre les hommes sur mes placements et compagnie. Donc, on est parti pour jouer la Drag Queen. Contre un écran qui charge. Pardon. On a trouvé quelqu'un, on attend juste de s'y connecter. Donc en classé, on va bien voir. C'est vrai que je... Tout ça dans n'importe quel jeu, hein, que ce soit dans les jeux de cartes, dans les jeux de figurines, etc. Tous les jeux qui demandent un minimum de construction, c'est pas la partie que je préfère. J'aime bien jouer, j'aime beaucoup collectionner. Hein, je vais être honnête, c'est ça qui m'attire dans Crossmaster. Le build, hein, la construction d'équipe, construction de deck, construction de ce que vous voulez, c'est moins mon délire. Je suis plus du genre, voilà, avoir une équipe comme ça, que je joue, que j'ai fait avec l'aide d'amis, parce que j'aurais pas été capable de la faire moi-même. On joue contre le Ch'tikonordisite. Colordisite, je sais pas bien lu. Qui nous joue Makumba, Sarah Croche et Morora. 3 level 4. Pourquoi pas, c'est original. Voilà. Donc ouais, cette équipe-là, c'est vraiment... Enfin, c'est l'équipe que je joue moi-même en... si je te laisse par là, toi. On va mettre ça comme ça. Les animaux, c'est toujours aux extrémités. Le Wally, pas très loin derrière. Wally joue avant, il me semble. Ouais. Aux extrémités, on a dit, le Kivin un peu plus en avant. On va verser comme ça. Ok. On fait ça. Qui est-ce qui va commencer? 4 et 4, 8, 1 et 6, 14. Je vais commencer. Ce qui m'arrange un peu moins, mais bon. Du coup. Eh ben, on va directement envoyer Coucotte là-bas. C'est intéressant parce que l'attirant, sachant que machin peut Mora peut poser des pièges mortels.
On peut potentiellement mettre sur un de ces pièges, ce serait rigolo pour faire un truc comme ça. Donc voilà. Vu que j'ai pas de... Ce que je peux faire ailleurs, c'est aller faire ça. Je peux ouvrir un œuf. Et aller bloquer un peu le passage par là. Voilà. C'est loin d'être le truc le plus optimisé, hein, de les œufs sur la dragueuse. Mais ça a le mérite de dissuader un peu. Ou d'occuper. De 3 points de vie, il faut les descendre. Au tour d'après, s'il n'est pas descendu, dans une zone carrée, je peux exploser en faisant du 3 dégâts neutres. Hein. Bien placé, ça peut être sympa. Toi, tu vas venir par là. Deux, trois, de toute façon je pourrais pas l'atteindre. Donc Kama et on a déjà fait tout ce mouvement. On est près de la caisse, c'est pas mal. C'est un bon spot pour se mettre là, je trouve, avec avec Edmond. Toi pour l'instant tu peux pas faire grand chose. Donc tu vas ramasser du pognon aussi, parce qu'on n'a pas ramassé beaucoup pour l'instant. J'ai ma maintenant pour ramasser du pognon. J'ai pas trop l'avancée parce que ma coom c'est de la porter 1 à 5 avec 3 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Oui d'ailleurs il y avait un Kamala que j'avais pas envie de ramasser. Voilà. Est-ce qu'il a acheté de sympa? Bah non, je commence. On va se reculer. Ok. Reste Kevin qui veut-il ramasser du Kama. Bon. Sans que ce soit la priorité, on se sera fait 9 Kamas ce tour-ci. Ça va. Petit fail sur le Kama d'ailleurs avec, avec Gemma. Je les ai bien placés du premier coup là d'ailleurs. Faut savoir que, gros problème, Pushan et Gemma c'est exactement le même moule, c'est juste la couleur qui change. Pushan est plus violette, Gemma est plus rose. Pour les reconnaître, que ce soit sur le plateau ou comme ça en jeu, c'est jamais très facile. Hein. Honnêtement, c'est toujours un peu compliqué. Il y a de la sacrifier. Deux mouvements, quand ça fait boum, ça fait du 2. Un point de vie. Ça s'élimine avec un Kiwi, avec un Kiwi le canon, ça c'est pas gênant. Là, si je repousse là, il faudrait qu'elle soit là ou là pour que ça lui fasse du dégât. 1, 2, 3, 4, je peux la repousser de côté. C'est pas grave, l'œuf il va plutôt être là en dissuasion. Je peux en poser qu'un à la fois avec la dragueuse. Par contre, une fois que celui-là est dégommé, je peux le reposer. Et chose intéressante, je peux utiliser le sort de pompe d'œuf. Parce que l'œuf, en gros, vous avez vu, je, avec la dragueuse, je dis, bah tiens, je vais pondre un œuf dans une direction. Enfin, c'est même pas ça. L'œuf, je vais le pondre sur la cage où je suis, et moi, je vais me décaler dans une direction. Donc potentiellement, c'est un PM en plus. Quand on n'a pas d'œuf à poser, bah, ça me fait juste avancer de case pour 3 PM. Pour 3 PA. Donc un PM pour 3 PA, c'est un peu cher, mais des fois, c'est bon à prendre. Tu joues planqué, mais tu es... un. Alors, si je me mets là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'avance un peu plus. Ah. Ah, je peux la tirer là, mais je peux pas pousser l'œuf en même temps. C'est pas grave, on va faire ça. On va mettre un critique ici. Ça, on va le revendre. Pushan, pour l'instant, tu vas plutôt ramasser du Kama. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympa à acheter là-dedans? Plus 2 max, j'aime beaucoup. Pyro buff, ça peut être utile, c'est-à-dire, mais j'ai que Wally qui fait du feu. Le Vulbis, ça peut être sympa. Mais à qui? C'est surtout ça la question. À qui on peut mettre le Vulbis? À qui ça profiterait pas mal, hein? Non, là pour un coup, c'est un truc qui file des PA qui m'en intéresse. On va rien prendre pour l'instant. Donc là, il fait prêt à péter. Et hop, là je suis à portée. En plus, en lui donnant une critique, voilà. Ça fait du 4 dégâts sur une sœur accroche. Là, elle va avoir envie de se barrer parce que l'œuf est trop près. C'est plutôt worse. C'est plutôt très worse. En plus, elle, c'est l'aile droite. Donc, on va se décaler là, on sera très bien. L'œuf, bon, on va pas le faire péter tout de suite, hein, malheureusement. J'aurais aimé, mais c'est pas le plus urgent. Je suis en train de me dire que j'aurais dû acheter un GG.
Parce que c'est que les niveaux 4 en face. Ouais. Là, ça va être opération Kama aussi. Alors, là, on va tenter de massacrer la sacrifiée. C'était trop dangereux une sacrifiée. Voilà, et on va se mettre sur le petit perchoir là. Ce qui fait que on a une bonne visibilité sur la map. De toute façon, je suis bête, c'est pas boostable comme sort ça. Je me mets là, mais non, c'est pas boostable, donc ça sert pas à grand chose. Toi. Eh ben toi écoute. Tant qu'on a commencé Sarah, autant continuer Sarah. Ah, on va lui enlever la porte. C'est tout bénef. Hein. Vous voyez, là il s'était dit je suis tranquille, placé, etc. Et bah ça, Sarah a perdu 5 points de vie. Sur 13. Et de la portée. On va se planquer par contre après. Donc c'est pas dégueu. Toi. Alors on a du vol de vie sur du 1-2 en ligne droite. C'est pas la priorité là. Honnêtement. Je vais prendre un GG. Pourquoi je vais prendre un GG? Parce que. Si je te mets là, t'es un peu trop frère, on va reculer. Parce qu'il a que du niveau 4 en face. Là, il faudrait que j'avance de 2, je suis devant, on va faire ça. T'as pas du 100 lignes de vue, donc c'est bon. J'avais déjà mis une tapette, non? Pas encore. Bon, bah. Il faut une première à tout. C'est 3. 1, 2, 3. Au pire, je peux me prendre de la... l'arme empoisonnée derrière. C'est pas trop grave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que du niveau 4 en face. J'explique un petit peu mon cheminement de pensée. Si je bute un niveau 4, je vais récupérer le sauvage plus 3 des siens. Il va lui rester 3. En faisant ça déjà, je vais récupérer que 2. Je suis bien avancé en Kama, je maîtrise pas mal le terrain. Potentiellement, je vais pouvoir avoir de quoi en racheter un. Ça peut compenser la perte d'un petit niveau 1. Parce que là en plus, ouais, mais ça fait de la zone, non? Non, on n'a pas de zone, je crois, j'ai une bêtise. C'était quoi? C'était la larme empoisonnée, ça d'accord. Et ça se souhaite. Donc potentiellement avec des doubles en début de partie, etc. Tuer une figurine pourrait être suffisant. Donc ça vaut peut-être le coup de se pencher un peu sur la question. Là, Sarah va venir certainement poser une tourelle. Non, elle tire. Et elle va se planquer là. Elle a un petit peu compris le principe. Le Morora se met. Oh, s'il pouvait tellement poser un piège par là devant lui. J'aimerais tellement faire ça. Je pense pas. Je pense que. En plus, c'est une fois par partie le piège mortel. C'est tellement risqué de faire ça. De toute façon, Morora fera du dégât qu'au cac. Résistance R. Je vous ai pas mis le truc, excusez-moi. Il achète une or cachée qu'il attribue à Sarah. J'ai bien envie d'aller titiller quand même un petit peu Morora. C'est plus dans l'ambiance, on va pouvoir enchaîner. Ouais, on va faire ça. Le crit, on le met. L'armure, on va la mettre ici. Le crit, on le met là. Et on est parti. Pushan, tu ne vas pas servir à grand chose si ce n'est acheter le pyro buff. Tu tapes feu ou pas? Non, tu tapes pas feu. J'ai pas grand chose à te faire faire pour l'instant. Je vais venir te mettre là. Alors. Il n'est pas insensible. Non, il n'est pas insensible. On a mis combien? On a mis 1. Là, on met 0 parce qu'il y a... Il y a la résistance. Elle m'embête, la résistance, honnêtement. Et on va se décaler. L'œuf, il explosera plus tard. Toi, tu vas faire ça. Voilà, c'est bon, ça. On va venir se mettre là, comme ça. Comme ça, on va envoyer Gemma là. Gemma pour après bénéficier de l'armure. D'ailleurs, c'est pas à Gemma que j'ai déjà mis l'armure. C'est un peu bête ça. C'est à Gemma que j'ai mis. Oui, j'ai mis l'armure à Gemma. J'aurais pas dû. C'est pas grave. Ici.
On va s'acharner aussi. Et par contre, on va redescendre ce planquer un petit peu parce que tout à l'heure, on a vu ce que ça faisait. Je me vais peut-être un peu trop en avant par rapport à sa raccroche, mais bon. Vu qu'après, je vais taper R, je ne vais pas forcément faire beaucoup de dégâts. On l'a mis mid-life. Alors, là, on vient se mettre là. Et... Shkaboom. À 2, c'est bien. Et rush kaboom. À nouveau à 2, c'est très bien. Ça le fait à 2 points de vie. Honnêtement, je tenterais presque une TP de... Je tenterais presque une TP, hein. Parce que c'est combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est 4, c'est ça? Mais je me mets très en avant par rapport à ma Chine. Et au pire, elle me fera quoi? Une larme empoisonnée? 1, 2, 3. Je prends le risque. Si ça passe, honnêtement, ça vaut le coup. Et ça vaut énormément. Vous voyez, là... Là, on est pas mal. Parce qu'on l'a mis à 1, vous voyez. Si sur son G, là, ça fait... Au pire, je peux me barrer après. Bon, c'est pas grave, je reste au cac. Je crains pas grand chose, au pire je peux prendre une sacrifiée derrière. Donc là, il fera pas de double, parce que c'est volontaire, mais moi je suis à 7 kama. Vous voyez, 7 kama, je revends, ça fait 10, je viens là, je prends 12. Non, c'est bien parti, c'est très bien parti, honnêtement. On va mettre un petit désolé quand même, parce qu'on a... On a eu un peu de chance. Mais ouais, 12 points de vie en un tour, c'est pas mal. On a mis 4 avec Gemma, 5, 6, si je dis pas de bêtises, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il n'y a que Kushan qui a pas tapé. J'aime bien cette équipe, je la trouve fun. Elle est plaisante à jouer. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est l'attirance de la dragueuse. C'est... Ça permet de mettre des figurines qui se pensent un peu safe, plus en zone de danger. Ça permet de faire pas mal de choses sympas, surtout de faire des choses que l'adversaire ne voit pas venir. Par contre, le petit problème de connexion m'embête un peu. Est-ce que le mec a Rash Kit? Je sais pas. Je saurais pas dire. Mais ouais, oui, pour vous expliquer un petit peu comment on y est. Notre chère dragueuse qui est là, hein. Faut savoir que à l'event où la saison 3 sortait, c'était un championnat de France, il me semble. C'était pas un championnat du monde. Ah, j'ai un doute. Championnat de France, championnat du monde peut-être. Bref. Zatno et moi, on a ouvert des bindups et on est tous les deux tombés sur la dragueuse dorée. On a trouvé la figurine absolument dégueu. Enfin, le vert pâle, le gros chapeau rose, le rouge à lèvres, etc. Elle est pas dans le mauvais sens, hein, mais c'est vrai que elle fait pas envie, quoi. Elle est pas très attirante comme figurine. Elle est... J'ai connu plus sexy, quoi. Et en plus de l'avoir avec ce socle doré, cette illustration foil, hein, bah voilà. Ouais. Ce que je disais, c'est même pas volontaire, mais ça fait un double. De l'avoir comme ça, on s'est dit, ah, c'est trop marrant. Je sais que Talden en a chopé une depuis. On en avait déconné avec Laka en lui montrant. Qu'elle aussi était d'accord pour dire qu'elle était quand même bien dégueu. Donc il y a eu un peu le délire sur cette figurine, je me suis dit il faut que j'en fasse quelque chose, et voilà, c'est mon cœur d'équipe. Et je trouve ça très marrant. Bref, c'est une victoire sur ces vidéos comme ça de classé. Je sais pas encore ce que je vais vous faire, peut-être que j'en diffuserai une par semaine après le Crowley sur Pixel et je sais pas trop quand sur YouTube, mais bon. On va essayer d'en faire un petit peu, pourquoi pas, ou pour combler des fois quand il n'y a pas de crawl. Bref, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, bye!